28 acteurs économiques africains primés à cette 5e édition de la soirée gala dénommée « Les bâtisseurs de l'économie africaine ». L'objectif de ce gala de plus de 600 invités est de célébrer les meilleurs talents de l'économie africaine ainsi que des bâtisseurs internationaux dont les réalisations en Afrique sont significatives. Cet événement, en croit les différents orateurs, se veut celui du changement et de l'innovation, car il intervient dans un environnement mondial marqué par le repositionnement stratégique de l'Afrique. Pourquoi on a été choisi dans cette cérémonie pour les bâtisseurs de l'économie en Afrique? C'est parce que nous investissons beaucoup au Burundi et nous avons beaucoup d'employés. Nous sommes à une nouvelle phase de notre économie, donc il faut que les jeunes Ivoiriens se mettent au travail. Et ce travail doit se faire sur la base de l'excellence. Il n'y a pas de hasard, il faut se mettre résolument au travail et puis penser que tout est possible. Avec de la volonté, on peut faire beaucoup de choses. C'est une Afrique qui monte au monde entier, que nous avons pris conscience du potentiel et de l'importance de l'Afrique. Nous sommes depuis 7 ans un peu précurseurs des questions de leadership et de transformation sur la bonne gouvernance. C'est pour ça que nous avons été sélectionnés, parce que comme moteur de développement, il faut qu'il y ait des esprits nouveaux. Ces acteurs économiques primés sont des exemples de réussite. Pour les jeunes Africains, ce sont des repères à prendre en compte. À l'instar du Gala des Amériques, du Gala des gens d'affaires au Canada, du Gala Greenworks au Luxembourg et bien d'autres, la soirée Gala des bâtisseurs de l'économie africaine est pour les institutions, comme pour les acteurs économiques, une interface d'échange.